Bonjour, nous sommes de retour. Aujourd'hui, nous avons une tablette Asus ZenPad 10. Alors, c'est le modèle P00C. C'est ce qui est marqué derrière la tablette. Mais en cherchant le port micro USB, j'ai trouvé P023. Visiblement, c'est le même port qui est utilisé. Alors, ils sont là les deux ports. Enfin voilà, j'en ai pris deux. Et il est là celui qu'on doit changer. Donc juste à côté, il y a la prise jack. Et je l'ai couvert du scotch thermique pour le protéger, pour pas faire fondre le plastique. Et ben, on va aller sous le microscope et on va essayer de faire ça rapidement. Et on va essayer de faire des vidéos plus courtes. Allez, à de suite. Une petite précision sur la technique que je vais employer pour remplacer ce port. Tout d'abord, voici l'étain que j'utilise. Et il est composé de 99,3% d'étain et 0,7% de cuivre. Et à l'intérieur, il y a du flux, bien sûr, à peu près 2% de flux. L'avantage de ce fil, c'est que sa température de fusion est très très basse, entre 200 et 210 degrés Celsius. C'est assez bas. Donc la technique consiste à mélanger ce fil à l'étain avec lequel le port est soudé. Et de ce fait, je vais faire baisser la température de fusion du port et je resterai moins longtemps possible sur la carte. Elle sera moins longtemps possible exposée à la chaleur et le port, il devrait pouvoir se dessouder beaucoup plus rapidement. Voilà. Allez, c'est parti. Il faut jamais tirer sur le port tant qu'il n'est pas complètement dessoudé, parce que ce qui risque de se passer, c'est on risque d'arracher les circuits des pins sur la carte mère, et après c'est une autre réparation. Il faut tirer des fils et tout ça, c'est un peu chaud. Allez, c'est parti, 500 degrés. À peu près 25% d'air. Et on va voir dans combien de temps. Alors je préchauffe un peu, j'attends que ça chauffe. Ta, ta, ta. Allez, c'est parti. Essayez de souffler comme ça pour pas faire fondre le jack. Je suis curieux de savoir si. Mais bon, forcément. La fusion se fait beaucoup plus rapidement. Ah, on est déjà bien. Reste là, toi. De ce côté-là, pas encore, ça va arriver. Allez, 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 hop, hop. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Voilà,
On y est. C'est fait. Alors, voici le nouveau port. Ce qu'on va faire, c'est on va venir lui mettre de l'étain déjà dessous pour être sûr que dessous il sera soudé aussi, que les pins seront soudées de dessous.
Pas mal. Allez, il n'y a plus qu'à remonter. Moment de vérité. Alors, hop. Nickel. Et la tablette est en train de charger avec 900 milliampères. 900 milliampères, on a le signe de charge. Voilà, hop, c'est parti. Le port a l'air assez stable, tout va bien, ça bouge pas, ça se déconnecte pas. 900 milliampères toujours. Et c'est bon. Ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Et je vais accélérer le moment de... Voilà, vous l'avez déjà vu, l'accélération, donc ça sert à rien que je dise que je vais accélérer. C'est dingue, hein, le voyage dans le temps sur YouTube. C'est pas mal le concept. Et ben, je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao!